Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Le mois d'avril a encore été chargé plein d'émotions dans les médias en mode panique avec l'Iran qui attaque Israël et puis d'autres sujets ont remplacé cette nouvelle guerre. Quoi qu'il en soit, nous sommes quand même dans un monde qui craint et ce vlog a pour objectif de vous aider à vous préparer à des bris de normalité. Et chaque mois, je suis là pour vous accompagner, vous montrer comment je procède pour ma propre préparation avec patience et méthode, telle une araignée qui tisse sa toile. Alors c'est parti pour ce petit coaching mensuel habituel. Il est bien trop tôt pour planter les tomates, on va attendre les saints de glace. En attendant, mon salon est rempli de plants, même si on a déjà pu en donner et en échanger auprès d'amis et collègues. Et d'ailleurs, voilà ce que je viens de récupérer, ce qui veut dire que cet après-midi, ça va être rempotage, parce qu'ils sont déjà assez grands. Donc voilà, j'ai du terreau pour rempoter. À l'extérieur, pendant ce temps, la salade est semée. L'ail, oignon, c'est pareil pour les échalotes. Et puis, il y a eu quand même un beau week-end, malgré toute cette pluie, où j'ai pu quand même planter mes patates. Même si c'est le printemps, il fait faim pour les oiseaux. Donc, n'oubliez pas de les nourrir. Oui, je sais, il faut retirer les filets pour pas que les pattes se prennent dedans. Voilà, allez, on va préparer tout ça. À la bouffe, les piafs. Ah, je suis en vacances et je vais pouvoir m'adonner à une tradition ancestrale qui s'appelle le nettoyage de printemps. Évidemment, ça va réduire l'encombrement dans la maison, mais ça va aussi permettre d'éliminer les moisissures qui ont pu s'accumuler pendant les mois d'hiver ou autres allergènes. Et puis une maison propre et bien rangée, c'est vachement bon pour la santé mentale. Allez, hop, au ménage. Et vous avez vu mon beau casque, là c'est un cadeau de mon fils, puisque c'était mon anniversaire au mois d'avril. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me l'ont souhaité. Et puis c'est un super casque pour le vélo, casque qui va me permettre de communiquer avec Dame Kala quand nous allons partir en rando avec pas mal d'équipements dessus. Merci mon garçon. Pour ce casque, je ne me serais pas payé moi, parce que quand même, il est un peu... il douille un peu. Voilà. Concernant le vélo taf, je n'ai pas encore repris. On a fait pour l'instant qu'une seule sortie en vélo, puisqu'on n'a eu qu'un seul beau week-end. Et j'espère pouvoir, dès le mois de mai, me remettre en selle et refaire mes trajets quotidiens de 30 km, 15 km aller, 15 km retour. Donc j'ai hâte de pouvoir m'y remettre pour de bon. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. On commence par le Tipeee pour les revenus passifs. Merci à Natacha pour son don de 2€ qui m'a permis de boire un petit café en terrasse. Et puis sinon, la chaîne YouTube a rapporté 15,39€ ce mois-ci. Et c'est tout pour les gains en revenus passifs ce mois-ci. Et comme nous sommes en mai, c'est le moment de faire sa déclaration d'impôt. Zip, shibam, pow, blop, okay, boomer. Qu'est-ce que tu fais ? Une déclaration. Alors, toi, t'aurais fait autre chose, évidemment. On va compliquer un petit peu les choses pour ce point hockey boomer. Dans la partie commentaires, je voudrais le nom de la chanteuse à qui est destinée cette chanson, le nom des deux géants que l'on voit sur la vidéo et bien sûr le titre de la chanson. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé du Guardian Angel qui permet de neutraliser un individu à distance. Et là, je voudrais vous parler d'un petit taser qui permet de choquer lorsque l'on est à proximité d'un agresseur. Il s'agit du Concorde Defender que je vous présente ici et je ferai une vidéo bientôt dédiée à ce dispositif. Dans la catégorie défense personnelle, je préfère vous montrer
des produits de catégorie D qui sont accessibles à tout le monde à partir du moment où on est majeur. Alors on a le droit de l'avoir chez soi, mais on n'a pas le droit de le porter sur soi lorsque l'on se déplace à l'extérieur de son domicile. Attention, vous allez être choqués. Voilà, ça fait quand même son petit effet. En ce moment, je travaille beaucoup sur le site internet de la Vilaine Mémère et ceux qui sont curieux pourront aller voir parce qu'il y a du contenu, du lourd qui se prépare pour les semaines à venir. Enfin, j'espère que je vais avancer assez vite sur le projet que je suis en train de mener actuellement. Et sinon, côté vidéo, pour le mois de mai, alors, vous allez avoir une vidéo sur la montre dans les EDC, parce que, j'ai eu un super cadeau, hein, là, c'est une G-Shock qu'on m'a offert à mon anniversaire, merci tout plein. Et puis, nous allons bien sûr parler du jardin au mois de mai. Je pense faire aussi une vidéo sur, on a parlé du choker, sur la 4.5 ou sur spirale aromatique. En fait, il y a plusieurs vidéos qui sont en cours de préparation. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les sortir. Alors, restez bien abonnés à la chaîne. Si vous avez aimé ce contenu, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !